la faim, la misère. C'est ce qu'a connu Marcus Rashford durant son enfance. Avant de devenir le protégé d'Old Trafford, le gamin a dû lutter comme un acharné. Il s'est battu contre vents et marées pour devenir une star du football. Dans les moments difficiles, Marcus Rashford s'est raccroché au peu de choses qu'il avait. Un ballon, mais surtout, sa famille. Grâce à son travail et à sa détermination, l'attaquant a surmonté de terribles épreuves. Aujourd'hui, il se bat sur les terrains et en dehors pour plus d'égalité. Mais surtout, pour que plus aucun enfant ne vive une telle situation. Le 31 octobre 1997, Marcus Rashford voit le jour à Manchester, au nord de l'Angleterre. C'est dans le quartier de Withenshaw qu'il grandit avec ses quatre frères et sœurs. Marcus est le cadet d'une bande élevée par Mélanie, leur mère. La jeune femme est seule pour s'occuper de ses cinq enfants. L'argent vient à manquer et nourrir tout le monde est très compliqué. Elle se sacrifie pour subvenir aux besoins du foyer. Par exemple, elle saute des repas et cumule trois emplois différents. Au fil du temps, la situation devient de plus en plus difficile. My mum was a single parent. She's got five kids that was all living in the same house. And that moment was the most difficult moment. She's working very hard to put food on the table, and then it's the stress on the shoulders that affected her. Mélanie peine clairement à joindre les deux bouts, mais elle refuse d'abandonner. De son côté, Marcus n'est qu'un enfant qui se prend de passion pour le football. Il peut passer des heures balle au pied sans jamais se lasser. Quand il a 5 ans, il rejoint son premier club. Il fait ses classes au Fletcher Moss Rangers FC en tant que gardien de but. Très vite, ses formateurs découvrent qu'ils sont en possession d'une pépite. Mais c'est sur le front de l'attaque que le garçon marque les esprits. Marcus est vraiment un niveau au-dessus des enfants qui jouent dans les ligues du dimanche. Alors qu'il n'a que 7 ans, le petit Rashford tape dans l'œil des plus grands clubs locaux. D'abord Manchester City, avec qui il s'entraîne pendant une semaine. Malheureusement, les Citizens lui claquent la porte au nez en raison de sa petite taille. Mais la flamme de l'espoir est bien loin de s'éteindre. Des mastodontes du championnat anglais s'intéressent toujours aux gamins. Everton, Liverpool, puis Manchester United. Le clan Rashford n'a même pas le temps de douter. Marcus signera pour les Red Devils. Rapidement, le garçon épate par ses qualités athlétiques. Son éclosion est tout aussi précoce. Le gamin de Withenshaw est en avance sur tout et sur tout le monde. Quand il a 12 ans, il tient tête à Pogba et Lingard, qui en ont 16. Le nom de Marcus Rashford résonne de plus en plus dans les couloirs de Carrington. Mais pour atteindre les sommets et devenir une star, la route est encore longue. Les années passent et Marcus Rashford se montre toujours aussi brillant. Mais être à l'académie de Manchester United n'est pas toujours évident. Loin du cocon familial, l'adolescent est nostalgique du passé. Passé durant lequel il s'est amusé à envoyer le ballon contre le mur de la maison. Passé durant lequel il n'y avait que le jeu, l'innocence du jeu. Durant ses années de formation, tout cela lui manque. Mais malgré le vague à l'âme, le crack poursuit son ascension. Il ne baisse pas les bras et se bat pour atteindre les sommets. Le joueur fait tout pour se démarquer et prouver qu'il est à la hauteur. Et le 25 février 2016, Marcus Rashford fait ses débuts avec l'effectif professionnel. C'est un soir d'Europa League. Il marque 2 buts. À 18 ans et 117 jours, Rash devient le plus jeune buteur du club en Coupe d'Europe, 50 ans après George Best. Incroyable! Le travail et la détermination de ce gamin qui n'avait pas les moyens de manger à sa faim finissent par payer. Marcus fait son arrivée sur le très convoité chemin de la gloire. Un coup d'éclat n'ouvre pas toutes les portes. La route est encore longue, mais il se donne à 200%. Il sait que pour continuer sur sa lancée, il faut travailler très dur. L'attaquant progresse à une vitesse fulgurante. Son talent et sa régularité font de lui l'un des plus grands espoirs du football anglais. 2020, c'est le coup d'arrêt. Le monde entier s'est arrêté pour faire face à une terrible pandémie. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Le sport, la culture, l'économie, tout est mis en pause du jour au lendemain. La crise sanitaire se transforme en crise économique qui dévaste les plus démunis. De nombreux Britanniques n'ont pas les moyens de nourrir correctement leurs enfants, et ça, Marcus Rashford ne l'accepte pas. Comme il l'a fait tout au long de sa vie, il décide de se battre. Cette lutte contre la pauvreté et contre la faim, le joueur en fait une affaire personnelle.
Durant son enfance, le gamin a connu la misère. Il connaît ce terrible sentiment de partir à l'école le ventre vide. Alors pour aider les plus pauvres, il se lance dans une lutte acharnée. Rashford écrit au gouvernement pour le pousser à agir. La star met une pression immense sur les épaules de la classe politique. I think what I'd like to do now that I'm in this position is just speak directly to the Prime Minister. Dans le même temps, il fait cavalier seul et lance un appel aux dons. Cette récolte de fonds est très rapidement un énorme succès. Plus de 20 millions d'euros. Grâce à cela, ce sont plus d'un million d'enfants qui peuvent manger à leur faim. Ce sont également de nombreuses familles qui peuvent aborder le futur avec un peu plus de sérénité. Doté d'une humilité sans faille, la gloire en plus, le héros Rashford n'oublie pas d'où il vient. Je sais que ça tue d'avoir faim. Je suis très conscient du fait qu'à l'époque, mes amis m'ont invité à manger chez eux uniquement pour que leurs parents s'assurent que je mange quelque chose le soir. À l'époque, la mère de Marcus a bénéficié d'aide pour nourrir ses enfants. Maintenant qu'il le peut, le joueur donne en retour. Sur les réseaux sociaux, son geste et son implication n'ont pas toujours été bien reçus, certains dénonçant même Rashford de faire de la politique. Mais avec beaucoup de classe, il a répondu à ses détracteurs. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'humanité. Ses enfants comptent, ses enfants sont l'avenir de notre pays. Ils ne sont pas une autre statistique, et tant qu'ils n'auront pas de voix, ils auront la mienne. En revanche, le joueur a également reçu beaucoup de soutien. Les rivaux de Manchester United n'ont pas manqué de saluer l'héroïsme du garçon. À Liverpool, par exemple, les fans ont délaissé l'animosité pour laisser place à la sympathie. Marcus Rashford a réussi à réunir chaque personne derrière cette cause. Peu importe notre couleur, notre club ou notre classe sociale, le joueur a mis tout le monde d'accord sur une chose, les enfants ne méritent pas de souffrir. Son engagement et son dévouement ont fait de Marcus Rashford un héros national. À tel point que la reine Elisabeth II l'a nommé membre de l'Empire britannique. Une distinction honorifique et précieusement méritée. Aujourd'hui, Marcus Rashford est très certainement le footballeur le plus apprécié d'Angleterre. Son acte de bravoure prouve que les héros ne portent pas forcément de cap. Comme beaucoup d'enfants avant lui, et comme beaucoup d'autres après lui, Marcus est parti de rien. Mais grâce à beaucoup de travail et de détermination, il a réalisé son rêve. Malgré la gloire et l'argent, le gamin de Withenshaw est resté humble. Il s'est servi de son passé pour avancer, mais aussi pour aider les autres. Grâce à son influence, il a réussi à faire changer les choses. À 23 ans, Marcus Rashford est devenu l'idole d'une génération et la lueur d'espoir d'un peuple perdu dans la pénombre.